Opération Tornade 1 en prenant l'autre dimension. La police nationale d'Haïti a annoncé gagner 4 présumés bandits qui tombaient à plusieurs gros armes fin de froid, y ont récupéré dans le cadre Opération Tornade qui a mené sous tout le territoire pays d'Haïti. L'autre information qui est extrêmement importante, États-Unis a annoncé gagner plus que 90 millions de dollars américains y ont dépensé pour PNH dans l'idée pour aider les policiers à faire face avec gang, avec bandits qui terrorisent la population. Nan ba yo équipement et nan jou kap gen pou vini la yo, c'est plusieurs blindés la police pral gagner pour yo recevoir. Moun programme Biden yo gagner mauvaise nouvelle pour nous. USCIS, bureau immigration États-Unis, annoncé gagnon pile ak yon paquet kafod yo enregistré nan kada programme Biden nan. Ou pral joindre plus détails sou ça et ambassade américaine qui te profite répondre à en pile question, m'pral partager yo avec ou même qui intéressé dans le programme Biden. En pile discussion a fait semaine ça sous Haïti. Puisque dans le jour qui s'est passé là, il y a un OEA qui s'est voté en résolution. Question en pile mon a posé, est-ce que l'intervention militaire internationale là, est-ce que Haïti a pris, est-ce que le gouvernement Ariel Henry, est-ce que y a pral gagné une cause sous ça qui vient pour avec demande d'intervention militaire que y a t'attendre. Tendez à quoi c'est né? Gang Izo Aptil Apliyan qui n'a rentré sud pays, gang Jeff Canaran qui n'a rentré nord pays, nan moment n'a parlé à la, yo a distribué formulaire droit de péage avec un chauffeur qui a gagné pour rentrer dans deux départements ça yo. Nous pral ba ou plus détails, c'est dans émission. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui. Pour me porter toutes les informations ça yo pour avec un pilote, sou poko abonné à la chaîne là, m'a rappelé ou sous TAC 509, tout haïtien connecté. Pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification, comme ça vous pouvez être connecté avec nous ou pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. Dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick, la même voix, rien n'a pas changé. Préparez-vous, nous prenons le baou, bonjour, information. Avant de nous rentrer, dans le moment où information, aujourd'hui, c'est anniversaire, yon fanatique émission, yon fervent supporter travail, yon fervent fanatique TAC 509. N'a profité souhaiter yon joyeux fête d'anniversaire avec Jacqueline Fleurima, qui aujourd'hui, dia a fêté yon nouveau printemps. Sans perdre du temps, on nous rentre dans maman Pemba information yo. Bataille qui a fait contre gang, contre sécurité en dedans pays, difficile, c'est vrai, li pas facile, nous conscients, mais la police nationale d'Haïti montre, après ça qui te fin passé non lien cours, côté gang ça vient, Luxon a dirigé, t'es assassiné 7 policiers, côté gang vite l'homme, t'es assassiné 4 policiers dans Métivier, et bien, il y a un gros remaniement qui fait en dedans recommandement la police. Aujourd'hui, là, opération Tornade a frappé sérieux. Gagné plusieurs bandits qui tombaient. C'est ça, PNH l'a annoncé sous page officielle. Dans le cas d'opération Tornade, là, eh bien, gagné 4 présumés bandits qui tombaient dans Mirbalen, dans le département Saint-Pays. Côté la police, plus que jamais, ils ont déterminé pour traquer bandits, pour mettre dominant tout nègre, tout criminel, tout bandit notoire qui a terrorisé la population. Qui pas suspendre, mettez de l'eau dans le petit peuple. Dans le cadre d'une opération qui était menée dans la Scaobas avec unité UDMO, dans la date qui était 12 février 2023, 4 présumés bandits ont été blessés mortellement parmi eux, chef gang ISO. Il y a un peu de monde moi, qui a fait débat sur Internet. Ils ont joué, ils ont fâché, ils ont estomaqué, ils ont pensé, ils ont attendu, c'est ISO village de Dieu qui est tombé. Eh bien, ça, c'est ISO dans la Scaobas qui est tombé. La police nationale d'Haïti récupéré yon fusil d'assaut calibre M4, yon pistolet 9 mm avec yon machine marque Lexus noir, yon te rivé confisqué. Donc nous ka comprendre que travail PNH c'est un travail qui est extrêmement difficile. Il y a traqué bandi sous tous les fronts, il y a traqué bandi tout côté du nord au sud, de l'est à l'ouest. La police nationale d'Haïti plus que jamais déterminée pour yo mettre dominant en bandi et dans dernier communiqué la police te mettait de yo, yo te fait connait que et police qui t'est créée en 1994 ans, c'est pas même PNH ça qui t'est qui là journée aujourd'hui en 2023. La police qui t'est là pour te marrer bandi journée jodi a bandi yo vin plus méchant, nèg yo vin plus sadique. Et bien PNH yo la pour yo stopper bandi, pour yo blesser bandi yo mortellement, pour yo retirer mauvais grains yo nan mitan population, nan mitan
et société. Et dans l'idée ça, tellement vous considérez que le travail PNH est difficile, eh bien la coopération, le travail de partenariat continue à faire avec différents pays, tant que les États-Unis, et Canada, la France, Mexique, Colombie, Venezuela, yo continue à supporter PNH dans l'idée pour aider nous faire face avec gang, avec bandits qui a terrorisé population. Eh bien, j'en t'ai annoncé, eh bien, Todd Robinson, États-Unis, a annoncé que dans le jour qu'il y a pour venir là, c'est plusieurs blindés PNH a gagné pour recevoir. Il y a plus de monde qui a posé cette question. Oh, pour qui ça? Depuis pays ça yo pral bay, depuis international pral bay Haïti, pral bay PNH matériel, yo toujours a dit oh, yo pral bay blindé, yo pral voye équipement. Oh, c'est alerté alerté bandi yo, c'est soumet mettre bandi yo soumet etc. Eh ben bon me dit non. Qui ça qui rivé? États-Unis, ma pre exemple États-Unis, puisque États-Unis a annoncé au pral voye plusieurs blindés pour la police nationale d'Haïti, eh bien, yon fèl nou cadre de coopération. États-Unis avec Haïti, c'est deux partenaires yoye, ou bien c'est maman petit yoye, j'en ai toujours aimé considérer là. Eh bien, comme yon relation bilatérale, yon relation diplomatique de pays yo, c'est bon bagay secret ka fait, son bagay public ka fait. Donc, aussitôt que vous prenez disposition pour aider Haïti, pour vous bailler Haïti blindé, et c'est dans l'idée ça, Todd Robinson, qui est secrétaire adjoint bureau stupéfiant avec application la loi aux États-Unis lui-même, il était annoncé pendant le passage en Haïti que non seulement États-Unis ont bailler Haïti blindé, mais tout. Yo ajouté 3 millions de dollars sur 48 millions de dollars yo te getan mette disponible pour PNH pour seulement année 2023 là qui pral faire au total 51 millions de dollars américains yo investi dans PNH sans compter ça yo te investi depuis 2021 qui totalise 92 millions de dollars que investi dans PNH, dans acheter équipement pour policiers, dans bail policiers aux formations, etc., dans construire et dortoir dedans l'école nationale de police. C'est tout bagay ça, yo, États-Unis a fait souterrain. Mais là, on a considéré effectivement chaque bagay États-Unis, Canada, ou bien n'importe le pays a fait pour Haïti, pour PNH, yo rendu public. Publicité ça. C'est pas alerté, yo alerté bandi yo. Ça, on a tout clair sur lui. Yo pas alerté bandi yo. Yo seulement mette population publique là au courant parce que des fois, si c'est pas à travers presse, organe de l'ambassade américaine pour nous apprendre information ça yo, Ariel Henry, gouvernement Ariel Henry, yo pas ba nous détails sur yo. Yo pas ba nous détails sur yo. Donc, ça qui prioritaire, ça qui primordial, et c'est ça pour nous toujours veiller, l'information ça au public, seul avantage PNH a gagné, yo pas bay caractéristique blindé, yo pas dou qui modèle blindé, yo pas dou qui bal qui ka percé blindé yo, si a bay équipement, yo pas dou qui modèle équipement, ça yo rete secret, ça qui gen pouwè avec qualité, ça qui gen pouwè avec yon ensemble de formation sous produit a bay PNH, li rete confidentiel, li rete secret. C'est mon dans l'institution qui gagne donné ça yo, qui gagne information ça yo, là nous pas ka considérer c'est bandi a bay information puisque gen média, la presse, la foc la presse travaille, faut que journaliste yo travaille, faut que journaliste yo bay information. Donc nous pas qu'à considérer l'information yo bay, c'est comme si c'est bandi yo y a informé. Moi pour exemple, imaginez-nous depuis qu'il Ukraine en guerre avec la Russie. Mais gros paquet pays et surtout pays qui constituent l'Union européenne yo, yo te prend disposition gen qualité d'armes, yo pas tab jambe bay Ukraine. Yo pas tap jambe ba Ukraine des séries de zam lou, yo pas tap jambe ba Ukraine et missiles et à longue portée, coupe portée, etc. Mais qui ça nous est? Gon changement drastique qui fait? Tout récemment là, après que Volodymyr Zelensky sorti à Paris, il était à rencontrer Macron, Macron prend disposition, yo pral ba Ukraine et l'autre matériel militaire, yo pral ba l'idée Leclerc, yo pral ba yon paquet l'autre matériel. Est-ce que ça te secret ou pas de secret? Le Russie apprend ça, Russie fâché, président et Poutine fâché, l'autre membre qui n'a pas été major et l'armée de dans pays Russie, yon fâché, mais ça yon c'est des informations qui public, qui pas caché. Donc, l'organe information, yon, au contraire, yon aide ou même qui fait partie de la population pour encourager les policiers. Yon. Pour aider les policiers yo et renforcer mettre force dans faiblesse policiers parce que là avec programme Biden c'est un policier sous toi oui qui a cherché
qui cherche trop vite pour faire passeport. C'est un policier sous trois policiers chaque jour qui essaie de prendre ligne, qui contacte, qui fait contact, qui cherche à quitter pour faire passeport pour quitter le pays. Donc, nous comprenons que situation extrêmement difficile. Qui ça nous a pour nous faire? Nous a pour nous retenir, pour nous voir qui joue, qui date, qui le blende ça a atterri pour payer l'argent parce que PNH a besoin ça, la police nationale d'Haïti besoin blindé pour aider population faire face à gang ak bandi kap terroriser population. Nous ça qui est pour avec programme Biden. Moi dis nous moun ki nan programme Biden yo la yo nan gros kouri parce que gagne USCIS qui lui-même li annoncé gagne un paquet de fraude. Gayon pile ak un paquet fraude ka fait nan cadre programme Biden nan. Et pas étonnant qui est ka fè yo. Haïtien pareil nous, haïtien compatriote pareil nous, des séries de monde qui profitent de situation là pour yo faire l'argent sous monde, des séries de monde là qui profitent de programme Biden là pour yo vinn au fou des avantages, des privilèges alors que c'est pas jamais ça, pas jamais gen bagay ça vraiment dans programme Biden là. Qui ça et USCIS a annoncé. USCIS c'est qu'on est gen un business illégal qu'a fait sur réseaux sociaux yo. Côté gon série moun qui a offri sponsor à bénéficiaire yo, bénéficiaire 4 pays yo sous Facebook, yo mandé jusqu'à $10,000 américains pour sponsoriser ou bien pour appliquer pour yon moun. Et c'est pas seulement sous Facebook yo fèl ni sous Instagram, yo fèl ni sous Telegram, yo fèl tout côté yo konnen moun fréquenté, moun fréquenté, haïtien fréquenté, cubain fréquenté, vénézuélien fréquenté, juste dans l'idée pour yo anarquer, juste dans l'idée pour yo boycotter programme nan, parce que automatiquement programme nan gen yon quantité fraude qu'a fait là-dedans, et surtout en Haïti là gen yon paquet de bruit qu'a couru, gen dominicain qu'a sorti en République dominicaine, traverser zone frontalière pour venir faire document haïtien, pour yo venir faire carte d'analogue, pour yo venir faire Excel archive, pour yo vinn faire pour yo vinn acheter thème pour yo café passeport. Donc information ça yo vraiment mon cher, information ça yo pas dans intérêt Haïti, yo pas dans intérêt pays parce que l'autre pays a regardé, leur autorité américaine a regardé. Donc yo pral prendre l'autre disposition pour yo contrecarrer tout monde qui a fait fraude dans cadre programme humanitarian parole ou bien ça nous relait programme Biden nan. Gen ensemble de questions ambassade américaine répond pour même qui intéressé avec programme Biden. Là on regarde avec moi, ça c'est question moun posé ambassade américaine. Gen moun qui mandé est-ce que un haïtien qui viv à l'étranger capable approuver dans programme Biden dans programme ça et puis voyager de pays côté li réside a. Est-ce que un haïtien qui viv dans l'autre pays est-ce que est-ce que le capable approuver dans programme nan et puis sorti quitter pays côté la vivre là pour rentrer aux États-Unis. Mais qui ça ambassade là te répond ni. Yo dit oui. Yo haïtien ka vive, yo l'autre pays capable appliquer pour programme migration conditionnelle là. Ça nous relé programme Biden nan. Cependant, y a considéré individu ça comme inéligible pour programme nan s'il y a résidence permanente dans pays ça. Si li gen double nationalité ou soit si li gen statut réfugié dans n'importe l'autre pays. Donc dès que c'est haïtien ou c'est cubain ou c'est vénézuélien ou c'est nicaraguayen, automatiquement ou gen temps éligible pour programme nan. Cependant gen ti bémol yo mette. Si ou son haïtien ka vive en dehors pays ou vive dans l'autre pays par exemple, ou c'est haïtien ou vive au Brésil. Dès le départ en tant que haïtien, ou éligible, ou qualifié pour le programme Biden, non. Mais cependant, si pendant que vous vivez au Brésil, ou gagnez un code de résidence permanent au Brésil, automatiquement, éligibilité est tombée. Automatiquement, vous n'êtes pas éligible pour le programme encore. Si vous vivez au Brésil, tant que par exemple,
depuis ou gagne, depuis ou gagne code de résidence ou gagne temps pas éligible. Sou gagne statut réfugié ou pas éligible bired. Sou gagne double nationalité, ça veut dire et non seulement gagne passeport haïtien, mais gagne passeport brésilien ou pas éligible bired dans programme Biden. Ça est extrêmement important et moun yo pose question en pile parce que gagne moun qui États-Unis qui t'a remis appliquer pour famille yo qui Brésil, qui Chili, qui Mexique. Donc cela ou déjà clair sous ça. On l'autre question qui est extrêmement important moun yo a posé parce que gagne pile moun yo appliqué pour yo pourquoi jamais joindre email là pourquoi jamais atterri yo pas connait si yo bon pas connait si yo pas bon et bien qui ça ambassade la dit dans cadre question si là question c'est qui ça lié on regarder là avec moi combien de temps processus migration conditionnel la prend en Haïti. Nous avons marqué quelques moun qui recevoir autorisation voyage sous yon jou pendant que l'autre capitaine passe plus que 3 semaines. Mais qui réponse ambassade américaine bay. Direction affaires humanitaires USCIS HAB entre parenthèses normalement prend décision sous demande migration conditionnelle yo sous 90 jours, ça veut dire sous 3 mois à compter l'heure yo recevoir yo. Si gen besoin pour information en plus, traitement demande nan ka prend plus temps. HAB a recevoir yon paquet de demandes migration conditionnelle nan moment. Malgré la essayer traiter toute demande migration conditionnelle yo, yon façon ki rapide et puis efficace ou supposé mettre nan tête tout que traitement ça ka durer plus que 90 jours. Donc là ou même qui te gen tan fil yo te fil pou ou ap ton e email lan pou al fè photo an, eh bien ou gen réponse lan. Gen moun se vre, yo sou 11 jours yo répond ni, gen moun sou yon semaine yo répond ni, gen moun ki jwenn réponse yo sou plus que 90 jours. Tout dépend de ki sa USCIS ap mande moun yo, ki sa USCIS ap ton nan men moun yo. Tout dépend de comment dossier ou l'an monte. Est-ce que y a des informations supplémentaires et immigration a besoin? Est-ce que y a des informations et supplémentaires y a besoin nan men et sponsor lan? Donc, ça est extrêmement important. Donc, question ça, yo m'pense ou même qui gen un moun qui a pas appliqué pour ou moun qui voulait supporter ou moun qui voulait sponsoriser ou nan cadre programme Biden nan. Faut ou partager ti information ça yo avec lui pour comprendre que bagay la kapreta, programme la kapreta, c'est pas mauvaise foi. Et immigration, c'est pas vle ou pas vle quitter pays, c'est pas vle ou pas vle aller ka Biden, mais bagay yo gon jan pou yo fait et gon jan yo a fait. Donc, rete attentif, veye email lan, veye Gmail ou, pour le yo répond nous, pour ka tout préparer malet lan pou ou aller. Et là, nous pral gade avec moi. Toujours dans le dossier passeport, là, parce que son bagage est extrêmement difficile dans le moment là. Passeport $500 américains, $600 américains, 50 000 gouttes, 60 000 gouttes, bah, il est chargé. Eh bien, nous connaissons dans la juridiction Miragouane, commissaire Muscadet, il y a un fait bagage lui-même. Commissaire là, l'a traqué gang, l'a traqué criminel, l'a traqué bandit, l'a mettre l'ordre dans des ordres. Eh bien, nous allons regarder ensemble comment commissaire Muscadet était débarqué dans l'immigration dans Miragouane. Côté grand matin, bonheur, moun yo te débat, yo ap gade on foule moun, mes amis. Tout moun vin fè passeport, rakete fè, king. Parce que c'est l'argent qu'a fait, c'est l'argent qu'a brassé. Moi-même, question m'a posé, le programme Biden ça a fini. Si rakete moué, qu'a fait passeport pour moun, qu'a pren l'argent nan men moun, c'est tête chargée là. Si yo pa gete fè kay, si yo pa gete fè business, yo pa fè l'encore. Parce que haïtien pouvait en l'autre fois Jean Mounio sans foi ni loi Jean Mounio n'après les derrière iso ti la pli n'après les derrière l'amour sans jou qui c'est gros criminel gros gang et pourtant en pile nèg en pile femme qui dans l'état en pile femme qui dans administration publique là pas de criminel parce que pas de corrompu parce que yo konn tout bagay yo konn Jean doulé a et puis pou y a fond malheureux abus nan touché 50 000 goud 60 000 goud pour faire passeport pour yo. On nous garde ensemble comment ça t'est avec commissaire Muscadet dans immigration Miragouane nan. Je vais vous montrer.
Les amis, avancez pour moi. Déblayez pour moi, quittez ça, ça officiel nous a voté. Mes amis, attendez. Jeudi, c'est lundi. Lundi, c'est B. C. V. E. On moun ki la pou demain matin à retourner la caillou. Jeudi, nous prenons décision. L'immigration, Miragouane, nous prenons décision. Nous avons respecté à la lettre tout ça. Nous avons fait un passeport pour nous. 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 Nous avons fait juste quitter l'espace là pour nous. Vous mettez Timoun, je dis à parler pour la caille. Moun qui vient pour passeport, campé là, il va le livre passeport là. Ou pas de ce campé dans l'île côté moun pour coucher, parce qu'on va prendre des moun qui va coucher déjà ou bien déjà. C'est libre, va le livre. On moun nous c'est Timoun, je dis à pas jour retourner la caille. Vous te mettez petit Ariel Henry, petit deux feux, je viens de la caille. Bon bagage, mes amis. La Respectez les tuyaux.
Bon, est-ce que nous, la commissaire Muscadet, qui a répondu vraiment avec ça, n'a pas gardé là? Commissaire là, honnêtement, Muscadet fait toute saleté capable, il fait toute saleté qu'on est pour arriver à mettre l'ordre dans des autres. Il fait toute saleté capable pour le mettre moun yo en ligne, conditionner moun yo pour rentrer en ordre, pour al payer, al faire passeport ou bien pour al prendre passeport. Mais, haïtien, franchement, yo kon dou haïtien c'est deux bagailles, ba yo manger, ba yo bâton. Mais là, nous finissons par réaliser que si ba yo manger, ba yo bâton, ça, ça, il pas marché encore avec haïtien. Il pas marché encore. Commissaire Muscadet en côté pour moun yo pas décider, mettre yo en ligne. Conformé automatiquement, mon cher. Ou gade, Muscadet pas même ka passe. Tellement foule l'envahil, tellement moun yo a poussé, tellement moun yo a fait laisser frapper. Donc, problème pays, hein, et ça n'a vive jounen jodi en dedans pays, hein. Yo conditionné haïtien pour nous vivre rebelle. Nous pas seulement rebelle contre autorité, yo, non? Nous rebelle contre propre tête, nous. Parce que jodi, hein. Si vraiment nous t'es conscient, nous t'es conséquent par rapport avec problème, yo, ça ka passe en dedans pays, yo t'es interpellé, nous vrai. Question pour m'a garder là. Garder avec moi. Ça c'est bandit, ça c'est gang. Dans entre sud pays, nèg ti la pli nèg izo yo qui a distribué formulaire pour usager du sud, qui a distribué formulaire ça pour chauffeur qui a payé droit de péage. Ça veut dire ou passer dans Matisson, besoin passer dans Matisson, yo pas comme si ou pas passer sous même pression encore et bien on a gagné petit formulaire ça on a gagné pour ou a gagné pour payer. Attendez oui. Coût autorisation mensuelle $50 US ou 8000 goud. Yo fixé toyo. Cette somme est une contribution à la sécurité et à l'entretien des routes. Et ça plus vexé dans moi-même. C'est ça qui pi vexant. Yo faut qu'on ait l'agence ça wa bail l'agence ça que chauffeur wa bail là. C'est une contribution liée pour assurer sécurité yo avec entretien route. Kounye a gang yo les ou c'est gang qui dirige pays, c'est gang qui prend contrôle pays. On va dire c'est menti. La gang yo automatiquement substitué à l'état. Oui, c'est remplacer l'état. C'est yo qui remplace l'État. Le a parlé, c'est gang l'État, crime d'État qui a fait. Là, on a compris que je ne dis pas, nous ne pouvons pas que nèg y a versé en deux dans le bureau l'État qui a fait gros collègues, gros gorge matin, midi, soir. Et pourtant, yo pas réglé rien. Yo pas réglé rien. Si yo tap, si t'es gros bail sérieux, yo tap réglé. Je ne dis pas, là, nous pas bien formulé ça côté mais non chauffeur mettez nol la identifié sûrement yo pral bal yon code d'identification la mettez sexy téléphone adresse la mettez profession et travail li la mettez toute information sous machine modèle couleur la mettez photo identité là non est-ce que ça n'a regardé là c'est sérieux comme si au pays qui tombe bas comme ça nous corporatiser pays. Nous corporatisons pays au profit de un groupe nègre, yore les bandits. Et même bandit ça on a pris les bandits à sa patte là. Oui. Mais faut nous pas oublier des bandits à sa patte yo, gon groupe nègre qui gen belle veste sou yo, qui bien senti bon qui en dedans l'état, qui a pawaze ko yo, qui a prend les ko yo, qui a pouvè ko yo. Et journée jodi an là, l'on a parlé de crime. L'on a parlé de crimes organisés, l'on a parlé de kidnapping, l'on a parlé de assassinat, ou pral fini par comprendre. C'est pas seulement Izo ti la pli nèg sa yo méchant, mais nèg ki pi méchant yo, c'est nèg sa yo qui a commandité, c'est nèg sa yo qui a planifié tout détail yo, c'est yo même qui pi méchant. Izo ti la pli la mo sans jour, nèg sa yo pas sot l'arrivé là. Nèg sa yo c'est en dedans la République, bon bon garanti bon. Si Izo ti la bite ka fè passeport, dans d'autres circonstances, ou pense yo pa ta pral nan programme Biden nan? Ah bon, yo ta pral de tout. Mais comme nèg yo pa ka sot l'arrivé la, FBI, Interpol, tout moun de yo, gen alert sou yo, gen alert maximal sou yo, eh bien yo oblige continue terroriser population. Donc nous pensons que le kidnapping fait, gade, gade réalité.
Nèg yo tellement banalisé tout ça bandi a fait, tout ça gang a fait comme s'il passait comme une lettre à la poste. Nous sommes regardés comment bandi touye policier dans l'yanko. Bandi touye cette policier. OK, yo blâmé au état major la police, yo blâmé Dédé acte là et Myrtil, yo changé le faire remaniement dedans et en dedans au état major la police. OK, yo promet yo pral changer stratégie, yo pral vin avec équipement pour policier yo, yo pral vin avec moun ki gen compétence ki formé, yo pral commencer faire action. C'est exactement ça y a fait. Mais tout bagay sa yo comme si oublié cette policier ou te victime qui t'est tombé en babal bandi yo. Pendant que nèg sa vie continue à frapper, pendant que gang sa vie continue à opérer, pendant que luxe n'a sorti dans troule, l'a quitté la kaili, l'a vini dans lien cou, l'a beauté bagay moun, l'a volé bagay moun, assassiné moun et puis retourné dans troule alter école. Donc c'est ça yo. Ti détail ça yo pas comprendre pas de nèg dans l'état yo considérer ça yo comme des petits détails, de simples détails. Nous même nous pas ka considérer yo comme des petits détails. Nous pas ka prendre yo pour petits détails parce que petits détails ça yo c'est yo même qui fragilise société, c'est yo même qui fragilise la vie nous. Ça yo kap touye nous. C'est journée aujourd'hui en fait exactement 12 jours depuis nèg ti makak yo kidnappé et journaliste l'autre. 12 jours. Qui la journaliste gen million, journaliste gen l'argent côté au barré avec. Journée jodi an là, c'est marche ka fait, c'est marche pacifique ka fait, c'est mobilisation ka fait pour mande libération journaliste. Mais en nous sérieux, nous pas ka banaliser kidnapping, yo kidnappé un tel, oh, m'bra nouvelle là oui, demain yo kidnappé un tel, oh, on l'attend encore. Dimanche, yo kidnappé trois fidèles dans l'église et baptiste et pas oppressant. Et pas première fois, nous bandi a rentré dans l'église al kidnappé moun devant l'église, touye Jack devant l'église. C'est pas première fois. Mais kidnapping nan vin comme si on fait divers. Si on fait ah oh, kidnappé un tel, oh bon Dieu. Mais c'est l'argent pour gagner pour yo libérer. Bon Dieu, là, on a prié vrai. Mais il faut gagner l'argent, faut vendre tout ça, gagner, faut mander prêter, faut aller avec cuir devant moun pour dire prêto, faut cadeau pas capable encore pas gagner encore parce que yo kidnappé frère, yo kidnappé petit tout, yo kidnappé marou. Et l'argent kidnapping ça, c'est vrai acheter zam avec, c'est vrai acheter munitions avec, mais l'argent kidnapping ça al blanchi non pas quel gros business. L'al blanchi non pas quel gros entreprise dedans pays. Est-ce que bureau affaires criminelles en dedans de CPJ gagne possibilité, yo gagne assez moyen, yo a besoin d'information pour yo aller suivre l'argent, suivre trace l'argent, pour yo vraiment qui est-ce qui dans tête réseau kidnapping, non, qui est-ce qui dans tête réseau mafia, c'est pas seulement question de ISO, ti l'appli, la mort sans jour ba ça. Non, bagaille là plus que ça. M'a regardé la mort sans jour qui la gonti vidéo côté que la montre chan diril. Ba konnen si son chan, si c'est jardin moun ni volé parce que nèg sa nou konnen jan volé. Droit sur long, yo get tout vis, yo get tout problème de yo. La montre que li même la fait durer, etc. Et puis la blase l'état, oui. Oh, si l'état te fait ceci, si l'état te fait cela, ben yon tap loin, oui. Non, oui, l'état pas fait rien. L'état pas fait rien parce que même nèg qui dans l'état yo, c'est yo créé gang yo. Même nèg qui dans l'état yo, c'est yo kap supporte gang, kap supporte bandi. Et pendant week-end qui se passe à la, CNDDR, qui c'est Commission Nationale Désarmement et Démantèlement Réinsertion, et nous toujours songez Jean-Rebel Dorsena qui c'est une commissaire de la commission ça, qui te gen responsabilité pour travail de concert avec et l'autre autorité yo pour river faire désarmement de dans pays, désarmer ti messieurs gang yo, ti messieurs bandi yo, monsieur dame yo. Et bien on va jamais river fait. Donc ça n'a passé tout temps depuis le président Jovenel Moïse met la commission en campé. Donc c'est n'a gon seul lyrique. Oh, il y a 12 familles. Gon 15 familles, gon 20 familles en dedans pays, gros famille c'est yo ka vann zam, c'est yo ka fait trafic munitions de dans pays jusqu'à jodi an là. Jean-Rebel Dorsena pas jamais ka di la République c'est qui est. J'ai l'impression que Jean-Rebel Dorsena n'a pas jamais partagé l'information avec des CPJ, sinon des CPJ au moins pour ne des PNH, pour ne des policiers, pour préserver la vie policière, nous avons une idée de qui est son misère. Nous avons traqué, nous avons attaqué, nous avons traîné devant la justice. Mais non,
Tout le monde a boit des bananes en dehors de pays. Seul moi galère pas gagne boit des bananes moi et par rapport avec situation ça, c'est micro en nous gagner pour nous dénoncer vagabond, pour nous dénoncer criminel yo et n'a continuer faire. M'a toi annoncer nous dans l'émission. Moi viens avec une rubrique spéciale pour même fanatique émission et ou quand un politicien tout besoin et font message passé ou besoin et parler avec population, ka parler, c'est libre tribune ni relé. Côté ou bon, ou même qui vont poids sur l'estomac ou seulement pas venir faire diffamation parce que il m'a pas responsable, m'a pas capoter fado, m'a pas capoter quoi. Nous on est comme un négicité, n'importe petit bagage, papier timbré, direction droite devant commissaire Jacques Lafontaine et on prend code toutes les façons à tous les coups on prend code et surtout parti ménage commissaire. On est sérieux. Et oui, libre tribune c'est une occasion ou on gagner ou même pour faire frustration passer. Pour faire un message passer, vont un message par autorité, vont un message par Ariel, vont un message par politicien yo. Voyez un message dans ça qui gen pour avec pays an. Envie ou gen pour ta wè pays ou belle, envie ou gen pour ta wè sécurité tourner en dedans pays an. Ou voyez un message, un voice, OK? Un message audio et puis n'a fait suivi en pour ou pour partager son gen comme ressentiment avec le public là, avec tout le monde pour yo connaître qui ça cap traverser comme haïtien, comme monde qui t'a remis ouais changement pour pays. Déjà moi gagne un haïtien qui décide lui-même fait voile passer dans ça qui gagne pour avec pays États-Unis. Pour lui États-Unis ça nous ouais là cap dire c'est pays ami d'Haïti qui a offert programme Biden humanitarian parole là. Zami en parole comme ça. On nous tendait ensemble comment lui-même il t'a réagi, comment il t'a fait passer opinion dans rubrique libre opinion. Aya bambe famille mio. Je dis à nous parler de générosité mon occidental yo qui toujours là pour porter cadeau, faire nos cadeaux avec main droite yo, des cadeaux qui plein à répercussion morbide qui en mettre fois hypothéquer vie nous sans nous pas rendre nous compte les nous accepter don généreux ça. Nous parler de génocide que Panyolio te fait sur un Taino nou yo. Le Panyolio te fait au cas deux draps qui te contaminé avec déchets biologiques yo. Nous parler de carnage que Américain yo te créé dans pays yo contre paysans haïtiens yo après que yo te vino fri cadeau pour traiter paysans nou yo de malaria avec vaccin malathion yo pendant temps de l'occupation 1915 là. Nous parler de ça qui t'a des décisions pour gouvernement américain. Vino fri haïtien cadeau programme visa 2 ans Biden. Non? Nous parler surtout de l'autre programme qui était similaire au programme Biden. Non? Que américain ont offert by haïtien en année 1960 yo, et qui t'a fait nous perdre plusieurs générations d'haïtiens côté qu'un pile jeune haïtien ont by visa yo, t'es al mouri triste et solitaire au Vietnam. Victime de programme visa américain 1960 là. Tout la mort jeune garçon haïtien sa yo te vin causer en pile amertume pour famille yo et communauté haïtienne. Donc, fais prudent. Dans l'époque temps de la découverte là, l'histoire apprend nous que même si que c'est panyol, français ak n'importe l'autre nation occidentale qui vin offrir ou yon bagay gratis pour faire du bien ak main droite yo. Prends précaution, parce que l'on accepte cadeau compromis sa yo, cadeau qui toujours gagne un motif ultérieur dans même monde sa yo, ou risque hypothéquer la vie ou mette la vie en danger, en échange pour un cadeau d'illusion, qui en pile fois c'est une déception que cadeau a yé, puis ou ka trompe ou al jouen la mort, sans que ou même ou pas jamais rendre compte de risque qui des bienfaisances cadeau yo. Sous temps de la découverte là, preuve documentaire claire, li montre que les panyolio te pote bel drap infecté à virus pour faire noble indien taïno zan 7 ni yo kado ak men doat yo. Indien yo te traité panyol sa yo ak courtoisie et respect et yo te recevoir kado que panyolio te pote pou yo an, portre que c'est kado que bon Dieu te voye ba yo. Que c'est bon Dieu qui te voye panyolio vi nou rencontre avec yo. Mais sa yo pa rend yo compte que grâce à yote badijonné ak poudre biologique qui t'a pas tué 3 canons yo même. Forme de tuerie ça,
c'est une tactique qui constitue une forme brute de guerre biologique. Virus que pendant lieu te si men en drayo, vin la cause que indien yo tombé malade par des centaines de milliers ak variole. Yon maladie qui défigure yo, fè yo vin aveugle ak touye yo après en pile souffrance. Après ça, pendant lieu te wè tête frette, yon opportunité dans l'épidémie maladie, hein, puis yon te exploité min lor dans zil la. Dans yon titan, yon mette tout taille yon en bas code d'esclavage, et yon fè yon travail nan minyo pou jouk tan yon tombe mouri koubet. Nan 25 ans après que Christophe Colomb te rive en Haïti ak kado dwa yon te ba indien yon, pi fota yon yon te mouri en bas maladie mystérieuse ke pan yon te si men an kado dwa yon. Verzon 1514, seulement 32 000 Taïno te si vivent en bas attaque kado biologique dwa pan yon nan il. Après que Américain ont été vinn envahi Haïti en 1915 là, gouvernement d'occupation américaine a été commencé construire des centres de santé publique dans tout coin pays. Ils ont éparpillé troupes d'occupation dans tout coin pays à marcher par paysan au vaccin. Objectif et force ça, ils ont fait connaître, c'était pour aider paysans haïtiens à combattre malaria et bien dans pays. Mais en effet, nous venons pas prendre que vaccin malaria ça c'était pour empêcher femmes faire petite pour yo stériliser yo faire garçon vin infertile puis te ka réduire population haïtienne. Dans campagne ça a tout soldats américains ont tué des centaines de milliers de paysans haïtiens qui pas voulait quoi dans vaccin contre malaria ça que américain t'a fait au cadeau gratis là. Un cadeau qui te gain pour objectif un résultat maléfique. Sorti dans 1er novembre 1955. Jusqu'à 7 août 1964, pays Vietnam dans sud-est l'Asie tenant la guerre surreptitieuse avec les États-Unis. Et par manque de formation ou par ignorance, en pile haïtien pas au courant de guerre sauvage en bas Charles Sahar qui t'a déroulé au Vietnam dans temps ça. En 1964, puis était qu'à justifier rentrer dans la guerre contre Vietnam nan publiquement et puis était qu'à galvaniser support public là. Américains ont été créer un subterfuge dans le golfe de Tonkin, côté que ont été accusé Vietnamien que ont été soi-disant fait une attaque sur deux bateaux destructeurs navals américains qui étaient stationnés bord côte Vietnam. Dans la date 7 août 1964, après que le Congrès des États-Unis a passé résolution golfe de Tonkin, la guerre a été éclatée ouvertement entre les États-Unis et Vietnam. Mais faut que nous songions que c'est depuis novembre 1955 que deux pays s'arrêtent dans un conflit caché. La guerre Vietnam, non? C'était la guerre qui était plus longue dans l'histoire américaine. Et puis c'était la guerre américaine qui était plus populaire dans le 20e siècle. À noter que la guerre Vietnam, non, était la cause de la mort presque 60 000 soldats américains à 2 millions Vietnamiens. Après réussite subterfuge golfe de Tonkin, en 1965, le président américain Lyndon Johnson a enlargi la guerre et puis il a envoyé 536 000 soldats américains au Vietnam en 1968. Plus soldats que américains envoyés, c'était plus que soldats rejoints à Clamoyo. C'est peut-être ça que il est arrivé dans un temps que au vint besoin de renforcement puis ont envoyé dans l'abattoir Vietnam. En effet, c'est une raison qui fait que, pendant l'année 60, les États-Unis ont lancé un programme visa pour permettre aux jeunes Haïtiens de rentrer aux États-Unis plus facile. Avec l'ouverture du cadeau visa, un pile jeunes Haïtiens ont profité de l'occasion pour appliquer pour participer à un programme visa facile, là, parmi lesquels un pile jeunes universitaires garçons haïtiens qui te vin joindre visa klep pour yote parti. Deux semaines après que yon arrivé aux États-Unis, jeune garçon sa yote commencé à recevoir l'aide de la Selective Service System qui informe yon que yon gen pi al faire physical pour préparer yon pour conscription dans l'armée américaine. C'est là ça que yon vin découvrir que les États-Unis étaient dans la guerre sérieux avec Vietnam et c'est là ça tout que réaliser que visa ont été fait au cadeau, c'était pour renforcer l'armée américaine, non, pour y aller gourmet pour y au Vietnam.
en pile nan jeune haïtien sa yo te chapé aller Canada, yo te choisi déserter. Mais en pile nan yo te décidé aller Vietnam pour yo al mouri. Et pendant période ça, famille sa ki mouri yo pa joine aucun récompense nan men gouvernement américain pour la vie petite yo te goumen pour yo à cause cadeau visa malation yo. En 1975, les la guerre ont fini. Américains ont perdu plus passé 58 000 soldats à 350 000 handicapés. Mais Vietnamiens ont perdu plus passé 2 millions de monde. En 2023, là, avec la guerre en Ukraine, non, des bruits qui ont couru qu'il y a que Américains qui ont rentré dans la guerre avec la Russie ou la Chine, et que semblait qu'ils pas gagné assez de soldats pour t'agoumer pour yo en Ukraine contre la Russie. Tout de suite, non seulement ça fait nous songer à l'année 60, yo, mais tout, crise frontalière qui existait bas frontière Texas, là, gagne pile pour ouais, avec un plan morbide pour recruter moun dans la mer, si au cas vraiment américain ont besoin de voyer moun en Ukraine, pour y aller bataille contre deux grandes puissances, ça, yo. Semble que c'est même modus operandi, les ont bail haïtien opportunité pour y te gen visa dans l'année 60, yo. Et puis là yo rentré pour yo te ka pimpe yo au Vietnam pour yal goumen pour yo. Refugié kounye sa yo semble pas prendre en chaud. Ça yo pas konnen. Mes amis ouvert genou. Venou à tout Haïti en danger avec moun k'ap fè nou cadeau yo. En conclusion, d'après ça nous konnen à travers l'histoire, tout cadeau que yo fè nou cadeau yo, que ce soit cadeau drap contaminé avec variole que panyol yo te bay indien taino yo, que ce soit cadeau que américain yo te bay pour traiter malaria dans pays ya, après que yo te fin envahi et touye des milliers de paysans dans pays en 1915 là, que ce soit cadeau visa yo te bay haïtien pendant année 60 yo, que ce soit cadeau visa bay den nan kounye ya, yo tout invariablement connecté ak en pile perte de vie humaine dans pays. Et c'est nous haïtiens qui toujours tombé victime de bénéfices humanitaires cadeau ça yo que yo fait nous cadeau ak main droite yo. Pour tout ça nous connaît, tout cadeau ça yo c'est poison. Pi fort dans cadeau yo fait nous cadeau yo, gagne un seul objectif pour qui se délivrer nous même haïtiens tout droit dans l'abattoir. Si nous pas bouger comme nous pour nous dire abba bienfaiteur maléfique ça yo, abba corps groupe, abba binu, abba les Nations Unies, abba madame la lime à toute communauté internationale là, yo fait commencer carré à faire nos cadeaux pour yo touyer nous. C'est quoi qu'on nous haïtiens, le arrivé pour nous même pour nous lever camper pour nous dire non merci pour cadeau malation y a offri nous yo. Levez campé pour nous réclamer pays à nos mêmes bandes volées, assassins, conzés, traite, pédophiles, sanguinaires, drogue addicts, drogue dealers, craquettes, mendiants, comploteurs, bayakou, criminels, yo. Nous fout bouquet, nous fout gassé. Levez là pour nous. Haïti, c'est pour Haïtien. Haïti, c'est pour Haïtien. Liberté ou la mort, vive Haïti libre. Mes amis, attendez ça. Où c'est Haïtien, où remet pays, et bien, on agit. Désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, M. Chanel parle là pour bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick là, même quoi.